よし。Laisse-moi monter. Hop, hop. Oh là là, je vais me la coller là. J'y arrive pas. Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis au volcan, temps magnifique, canicule. Donc aujourd'hui, je vais axer cette sortie sur l'entraînement en franchissement, en montée technique. Voilà. Je vais essayer de remonter jusqu'à Piton Textor par un chemin que je descends d'habitude. Et je vais essayer de franchir le maximum de choses que je peux. Mais je pense que ça va pas être facile parce que déjà en descente, c'est un peu compliqué. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et aller tranquille, s'économiser. Pour l'instant ça va, le seul truc qui est dur, parfois c'est la tranchée est très fine et du coup les pédales, ben, ça passe pas. Alors là on a quoi? Ok, on arrive. Allez, je refais. Ok, bon bah finalement j'ai changé mon braquet, j'ai mis un braquet plus dur et là c'est passé, comme quoi. Allez la suite. Ok, bah là on rentre dans le canyon, donc là ça va être chaud là. Là ça va être chaud, terre miroir, un peu serré, des cailloux, là ça va vraiment pas être simple. Ça va vraiment pas être simple, mais bon on va essayer. Allez go. Bon, voilà, manifestement, j'y arrive pas. Merde, c'est chier. Bon, bah tant pis. À venir travailler quand c'est quand même un peu plus sec, je pense que ça passe, mais là, terre miroir, bon, il n'y a pas que ça. Hein. Je pense qu'il y en a qui passent ici, mais là, j'y arrive la moitié. Et après la dernière partie, j'ai faim. Tant pis. Allez, la suite. Allez, petit défi moins dur. Voilà, petit passage dans la roche là. Il faut essayer de se frayer un chemin, garder du grip. Voilà, ou tout droit ou ici à gauche. Au choix. Allez, on va tester ça. Ok, ben pas si évident de se faufiler entre les rochers qui glissent. Essayez, vous allez voir. Allez, la suite. Allez, nouvelle zone. Donc l'approche, au début ça va, et puis attention là, ça va se compliquer. Là, ça va beaucoup, beaucoup se compliquer. Là, là je pense que je vais faire qui sous le pédalier, c'est-à-dire ou avant, ici, ou arrière, là. Allez, on va tester.
Franchement, ça paraît pas, mais pas si simple. Allez, la suite. Ok, on arrive sur une nouvelle zone. Vraiment pas simple. Ça monte, il y a plein de cailloux pour justement freiner ta progression, te stopper. Donc là, ça va être vraiment, vraiment dur. En plus, il commence à pleuvoir. Donc, ça va pas arranger les choses. Allez, on teste. Bon, ok, ben, j'ai réussi à tout monter d'un coup. Comme quoi, des fois. Ok, nouvelle zone. Ben là, ça va être chaud. Là, ça va être très, très dur. Alors, quand je descends, moi, je passe là. Alors, on va essayer là, on verra bien. Mais le passage entre les deux roches, ça va être compliqué. On verra bien. Oui. Ouh. Eh ben mon gars, c'est dur celui-là. Mais au final, coup de chance. Coup de chance. Allez, Achit, on va voir la suite. Ok, nouvelle zone. Voilà, là, il va falloir se faufiler ici. Entre les galets. Tac, 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 tac. Là, ça va être dur. Là, ça va être très dur parce que faut être coordonné, roue avant, roue arrière, pédale droite, pédale gauche. Bon, c'est pas la zone la plus dure, mais sur le papier. Après, des fois, dans les faits, c'est plus dur. On va tester, on verra bien. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Ok, bah finalement, pas si simple là, ce virage là. Petit décalage roue avant. Mais bon, franchement, c'est chouette, j'aime bien. C'est intéressant à faire. Allez, on continue. Ok, los amigos. Allez, nouveau défi technique. Donc là, petite montée, terre miroir. Et puis derrière, derrière, il y a ça. Je pense que je vais essayer dessus là, passer par-dessus. Croyez-moi, je pense que ça va pas être facile. Allez, on va tester. Ok, bon ben ça c'est passé. J'ai mis la veste parce que putain, elle s'est mis à pleuvoir d'un coup là, assez fort. Bon, vient de se calmer. Bon, comme quoi tu vois. Allez, maintenant on rentre dans la forêt. Donc là, ça va être pas mal de racines. Voilà, donc je pense que ça devrait aller. Allez, on va tester. Allez. Oh. Ok. Alors là, ce qui est compliqué. Quand il y a beaucoup de racines comme ça en montée, c'est zip, ça zip, que la roue arrière elle zip. Voilà, bon pour l'instant, j'avais du grip. Alors, on va arriver sur une zone technico-tactique. Nouvelle zone, très très difficile celle-ci. Très très difficile, en fait c'est là, ça va être dur. Mais bon, ça se tente, hein. On va tester. Presque. Ok, ben voilà, ça c'est monté. Finalement, c'était. Je vais pas dire que c'était simple, hein, mais là, c'est vraiment une question de trajectoire. Faut être précis. Il n'y a pas énormément de pente, mais il faut être vraiment précis, quoi. Allez, la suite. Là, ça va être serré. Donc là, scorie au sol, petite tranchée. Pas évident. Oh.
les arbres qui font chier, les racines. Ouh. Et ben, allez, tout droit. Dommage. Allez, passage très dur là. Ah, très dur. Allons tester ça. Bon, finalement ça va. Faut de la patate, hein. Faut de la patate. Mais ça a été. Allez, la suite. Ok. Et on récupère. Allez, ski. Hop, hop. Allez, on prend large. Ah, yes. Ok, on retente. Comment je vais le prendre? Ah, finalement, sympa. Écarter un petit peu, petit appui. Est-ce que ça passe direct en sorte de petit mouvement? Je sais pas. En tout cas, là, c'est passé direct. Allez, à la suite. Ah, celui-là, il va être dur. Un pied. Ah, il y a moyen peut-être de l'avoir sans mettre un pied. Il y a ça qui gêne. Voilà, donc il faut essayer d'envoyer la roue avant. Il y a ça aussi qui peut gêner. Ensuite, là il y a ça. Il faut se faufiler là. Et là il y a ça. Très sympa ce petit virage là en épingle, vraiment très sympa. Allez, on continue, c'est parti. Ah, oh, d'accord, petit franchissement rocheux. Ah, je vois bien tout à droite. Wow. Allez, ok, donc là je voulais passer ici à droite, mais c'est assez serré, pas évident de garder la ligne. Donc au final, je vous demande si je vais pas monter là en plein milieu. Allez, on teste. Ou avant, voir arrière, exactement l'empannement de mes roues, quoi. Bon, ben celui-là, franchement, c'est un des plus durs que j'ai fait ce matin. Trouver la coordination, être allégé au bon moment, reprise de pédalage et tout, j'ai trouvé ça très dur. Voilà. Pourtant, ça paraît pas, hein, mais... Allez, on continue. Oui. Ah non, le dérailleur. Pas le moment de nous faire des tiens. Allez, ça passe. Ok. Allez, juste. Ok. Et là, maintenant... On va passer là-bas.
Oui, il passe. Oh putain, je peux pas prendre vitesse. Oui, et voilà. Ouais, ben, victoire, victoire. Ouh. Bon, ben voilà, la montée, c'est fini. Ben, la montée top, hein. Franchement, dur, mais intéressant. Voilà, très intéressant, mais dur. Mais quand même, je suis content de moi. J'ai quand même passé pas mal de trucs. Allez, je me dépêche de faire la descente. On va prendre le GR qui est rentré en Edbuff. Vous allez voir, il est défoncé, donc pareil, ça a du franchissement en descente aussi. En tout cas, au début. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Allez, petit franchissement monté. Hop, hop. Voilà. Alors là, on a quoi, là? Oh là là, ça va me la coller, là. Hop. Ouh, ouh, ouh. Ouais. Ça va pas. Oh la vache, wow. Ah c'est dur quand même, ça tape. Ok. Ok les amis, ben voilà, retour à la case départ. Donc la montée, franchement, c'est que du défi technique. Donc idéal si vous voulez vous entraîner en franchissement, en montée, franchement c'est top. Après la descente Edbuff, voilà, si vous n'êtes pas très à l'aise en descente, elle n'est pas très compliquée. D'accord, faut bien ouvrir les yeux, choisir des bonnes lignes, normalement ça passe sans poser le pied. Si ça vous intéresse de le faire avec moi en mode stage, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit mail et puis on voit ce qu'on peut faire. Ok les amis, allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.